Rizzo pour empêcher Alias Pagan d'aller en finale. L'Australien Philippe Rizzo. Rizzo qui lui exécute le def. Jacques Def avait inventé un gros lâcher de barre dans les années 80. Regardez, c'est après ce passage de combinaison. Il avait terminé à la plus mauvaise place l'an passé au championnat du monde à Anaheim, quatrième. Voilà, ici. Et ça passe. Ah, ça passe pas. Il était dessus, hein. Ça fait partie un petit peu des choses inexpliquées. Mais quand on voit la vidéo, on s'aperçoit qu'il a un petit retard du bus. Le regard est très important dans la prise de barre. Il faut anticiper pour pouvoir la rattraper. Il voit la barre trop tard, tout simplement. Allez, il en termine avec son mouvement, Philippe Rizzo, l'Australien, champion du monde universitaire à Pékin en 2001. C'est fini pour Philippe Rizzo. Il n'empêchera pas Alias Pagan d'aller